Une fois de plus, bienvenue dans classe programmation C# de l'Université Espoir. Nous dérivons dans partie côté discuter de opérateur booléen, opérateur de comparaison. On allait rapidement là-dedans. Opérateur booléen, nous gagnons note, nous gagnons et. Nous gagnons où dans trois lignes ça. Et puis, tu as le nabotoné pour une forme d'animation de bit, mais qui est un peu différent de ce qu'on a dit là. Pas tellement différent, mais par rapport avec l'étudiant haïtien, nous pas tellement étudier bit, le nom dans l'école secondaire. Donc, pour l'étudiant, c'est un peu difficile pour eux-mêmes. Tout ce qu'on va faire dans l'école secondaire, ou tout le monde est en sûr. Nous gagnons opérateur de comparaison qui c'est égal à différent de. Nous avons ensuite nous avons inférieur, nous avons supérieur, nous avons inférieur ou égal, etc. Alors, allez dans le code pour nous regarder bien rapide. Nous avons le code de là, moi, retirer quelques paramètres que nous n'avons pas besoin. Nous utilisons la fonction de gain, classe là, moi, quitter seulement main. Mais tout le bagage dans main, moi, déclarer et initialiser. Moi, dis ça, pour nous avoir un terme, ça va bien. Déclaration, pour prendre, ça veut dire écrire le côté, pour une déclaration. L'on déclare en variable, c'est type là, et puis le nom de la variable, et puis point virgule. Ou capable de déclarer et initialiser. Initialiser, c'est parti ça. L'on fait variable là égale à en valeur. Et puis ensuite, changer de toute instruction finie dans C++, dans C#, dans Java, toute instruction finie par point virgule. Et point virgule qui dit, OK, exécuter. De vous virgule, point virgule là, ou exécuter là. Donc, l'on déclarer et initialiser, changer dans qu'est-ce qu'un examen que ça est, qui ça une déclaration est, qui ça une initialisation est, qui ça une affectation est. Une affectation, c'est le moins, si je prends A qu'on a, il me fait l'égal à 12. Là, je vais déclarer l'encore parce que je déclarer déjà. Là, je vais initialiser l'encore parce qu'il était initialisé déjà. Là, moins, ballon nouvelle valeur, ballon valeur, moins affecter une valeur à variable. Ok, nous avons besoin pour l'instant, mais je vais aller pour une petite vision sur ça bien vite. Ok, qu'on a. On a juste exécuté un programme. On va faire F5 ou bien on peut dire console là. Ça va marquer un qui gagne un bouton play là. Un bouton pour nous jouer. Et puis, donc, exécuté. Il fait tout le bagaille d'un trait. Donc, pour nous voir exactement ça que je dis, on a pris le temps, on a fini. Ok. Terminé là, nous allons prendre le temps qu'on y a pour nous aller étape par étape, aller avec F10 qu'on y a. Je vais faire F5 qui est juste exécuté. Je vais faire F10 qu'on y a, qui va aller ligne par ligne. Ok? F5 va aller ligne par ligne. Bon. Ok, ça c'est écran. Nous allons voir tout le résultat là. Je vais faire tout petit toujours. On va faire F10. Le film exécuté F10 ça, il va apparaître sur l'écran là. F10, écran. F10, faux. F10, ça va, vous voyez les mêmes. Vous voyez. Ensuite, est-ce que, changer, là, nous te voyons règle en main gauche, main droite, qui veut dire que variable, c'est yon récipient, et valeur, c'est ça qui est dans le récipient, c'est le contenu du récipient. Donc, le règle main gauche, main droite, fait donc qu'on est que le, tout ça qui est à droite, tout ça qui est à droite, c'est valeur. Même si je fais B là égale à A, A, qui est dans la place 5 là, A ça par avion en variable encore là ça. Il vient en valeur. L'étape 10, c'est comme si moi je mettais B égale à A, moi j'ai à point B égale à 10. Ouais. Donc même j'ai le nom là, le nom utilisé, le liban en affectation, c'est main droite, li, ouais. C'est pas main gauche. Main gauche, c'est variable là, main droite, c'est valeur. Le linon activité, le linon instruction, ouais, là, tout ça, c'est mes droits, ouais. Donc, là, lui, ouais, 10, est-ce que 10 inférieur à 5? Et non. Ça, c'est non, puisque c'est non. Donc, valeur, c'est faux. Mettez faux. Est-ce que 10 supérieur à B? Bien sûr que oui. Donc, valeur, vrai. Vrai que ce plan. Est-ce que ça, c'est deux, comme c'est deux commandes qu'il a. Est-ce que A inférieur ou bien égal à B? A. Mais c'est 10, lui, ouais. Est-ce que 10 inférieur ou bien ou bien 10 égal à 5. Non, donc c'est faux. L'écrit faux sur l'écran.
Là, c'est vrai. Est-ce que 10 supérieur à 5 ou bien 10 égal à 5? Donc, première partie, en vrai, c'est 10 est supérieur à 5. Bon, ben, je regarde où on, il va me regarder où on, il va me joindre. Il y a une partie qui est vraie. Si le pas jeune, si pas dit ça, c'est faux, il ne peut pas checker où on. Mais là, il va me joindre qui est vrai, c'est où vrai. Il est vrai. C'est une ou l'autre. Comparaison, on connaît. Pour faire comparaison, nous déclarer de l'autre variable, C qui est égal à vrai et D qui est égal à faux. Le même fait F10 là, la même comparaison sur l'écran. Donc, D de mettre booléen, va dans là, mais que booléen de mettre écrit là. Donc, c'est booléen. Booléen, moi, je fais Ctrl S, je me sauvegarde. Et puis, après, moi, je fais Ctrl. Moi, je fais 10 là, ouais, j'en ai au café correction rapidement, et puis, au corriger, et puis, sur le programme là, pour continuer. Si on a un plus bel, quand on dit feature qui gagne dans ça, plus bel. Chez mon feature, ok, bon, plus belle feature, ou plus belle option que nous gagnons là, ou capable, si pendant qu'on va exécuter, faire changement, et puis continuer à exécuter normalement. Donc, nous déclarer qu'on y a C égal à vrai, nous déclarer D égal à faux, qu'on y a, ça va le dire, quand j'ai ces règles, gauche et droite, ça son récipient, ça son valeur, qu'on y a le, n'a pas utilisé là, sans que nous pas affectation, même si nous pas le nous pas déterminer si c'est main gauche, c'est main droite, c'est main droite. Donc c'est main droite lié. Main gauche c'est récipient, main droite c'est valeur. Là c'est main droite. Donc là c'est est-ce que le c'est là, le pas c'est le même, le vrai. Est-ce que vrai et faux? Je me dis non, pas dire est-ce que. Je me dis vrai et faux égal à qui ça? Ou pas qu'à vrai et faux en même temps. Donc c'est faux. Donc on fait F10 libre faux. Mais est-ce vrai ou faux? Yep, vrai. Si vrai ou faux, c'est vrai. Dans la table de vérité, nous ne parlons jamais utiliser cette table de vérité encore. Songez, D c'est faux, l'homme fait le contraire. Notre D veut dire le contraire de D qui c'est vrai qu'on y a. Puisque le contraire de faux c'est vrai, il va l'écrire là. Après, l'homme fait F10. Pardon, on va dire ça. L'homme fait F10, il écrit vrai sur l'écran. Mais, j'en ai fait là, c'est pour moi juste pour moi. J'en ai fait là, c'est juste pour moi faire. Pour ça, c'est pour montrer, non? Alors, qui ont qu'à utiliser, mais normalement, mais en utilisation qui est plus pratique, les combiner avec, en comparaison. Là, on va dire, A égale à B, ou bien A différent de B. Je vais faire comme ça, non? Je vais dire, ou bien A égale à D, ou bien supérieur. Ça va plus faire sens. Je vais comparer deux bails qui opposés vraiment. Ok? Donc, là, je fais ça, il va moins vrai, parce que, A pas égal à B, parce que 10 pas égal à 5, mais 10 supérieur à 5, donc une ou l'autre vrai, c'est vrai. Là, on dit la comparer pour regarder si mon ça, c'est un monde qui comme si éligible pour travail dans le logiciel loi. Un monde est éligible dans le travail. Un petit peu de travail, oui. C'est en général le ligue plus que 18 ans, parce que si mon n'a pas 18 ans, on va le travail, il faut une autorisation, maman ne va pas. Ou bien gardien. Si on a tout gain, si on a gain plus que 65 ou plus, c'est à la retraite pour voir, donc, il y a un arrangement spécial qui est capable de faire en général. Il y a besoin d'employer un monde qui est en 18 et 65 ans. Mais tout ce que vous voulez regarder d'autres points de vue médical, est-ce que c'est son adulte, est-ce que c'est son enfant, ou bien est-ce que c'est son vieillard, ou qu'a fait comparaison ça, second l'âge de 10 ans, ou est-ce que l'âge est supérieur à 18, et en même temps, il est inférieur à 65. Donc là, puisque c'est 10, il n'est pas ça vrai parce que l'IPA supérieur à 18, ok, et puis pour en même temps pour le temps inférieur à 65, l'IPA tous les deux ensemble. Un de l'autre veut dire tous les deux vrais, deux doivent vrai pour le vrai, donc ça c'est faux. Donc fait F10, ben ça faux. Donc on va essayer de comprendre. Donc pour l'instant, moi je fais F5, au moins quitter le programme dans aller. L'abtente pour me faire readline là, ou quand même bon readline là, ça quand il y a l'abtente, moi je fais mal sur l'écran pour me faire le focus là et puis me faire Enter. Et puis, là, les connaissances complètement. On est à nous retourner dans le livre là pour nous faire regarder opérateur de comparaison. Alors, là, c'est bon pour moi faire ça, pour moi utiliser peut-être un spreadsheet pour montrer, non? Et que on va ouvrir déjà, mais c'est bon pour ouvrir un spreadsheet pour nous illustrer ça. Là, nous gagnons, par exemple, songez, là, nous gagnons un byte, ok? Li égal à 8 bits. Donc, le moyen de la valeur, on dit 4. Donc, il y a 8 bits qui fait 4 là. Donc, il y a qui 8 bits qui y a. C'est
Donc, si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on dit ça, c'est 8 bits. En carré, pour on dit ça, c'est 8 bits. OK. Là, c'est ces deux exposants 0 qui vont valoir ça. Si on 1 là, valeur c'est 2 exposants 0. Ça, c'est 2 exposants 1. Pardon. Et 2 exposants 0. 2 exposants 1. 2 exposants 2, 2 exposants 3, 2 exposants 4, 2 exposants 5, 2 exposants 6, 2 exposants 7. Qui valeur que vous allez, on va commencer là. 2 exposants 0, c'est 1. 2 exposants 2. 2 exposants 0, c'est 1. 2 exposants 1, c'est 2. Pourquoi vous jusqu'à doubler? Ça, c'est 4. Bon, 8. Bon, 16. 32. 64. 128. OK? Donc, si moi je dis par exemple, valeur ça, pour nous gagner 4, nous disons valeur ça, c'est 0. Valeur ça, lui-même, c'est 1. Donc, ça veut dire, et puis tout l'autre est 0. On dit tout l'autre est 0. OK? Donc, qui valeur ça est, pour nous-mêmes, on met ça en couleur spéciale. OK? Donc, ça veut dire, l'homme fait, si nous dit ça, pas là, ça est 0. Ça est 0, tout ça est 0, c'est ça seulement qui on. Et ça, nous connaissons ces valeurs, c'est 2. Ah oui, donc, si vous mettez le constat, ça c'est 2 qui est écrit là. Si vous mettez 4, on va gagner 3, non, il y a 4 qui est debout là. Si vous mettez 4, on va mettre ça on, mettre ça off, là, on a 4. Okay? Donc, ça c'est bit. Mais si on dit que moi gagne bit ça, qui c'est 4, et puis moi gagne l'autre bit, on dit, tu mets ça on, qui là ça est connu. Si ça c'est 4, ça on, ça on 2, ça c'est 2, c'est-à-dire les deux ensemble, ça fait 6. Donc, ça c'est 6. Donc, on y a là, on est capable de faire des opérations sur eux. Qui opération que on va faire sur eux, c'est l'opération qu'on a dans le livre là, opération sur des bits, dans la voilà, même pas faire avec un hexadécimal, m'a dit faire avec un, m'a dit faire pour nous avec un, et ça qui est next, tout qui est là, m'a fait les seulement avec un décimal au lieu de hexadécimal. Donc, là, on fait, faire comparaison. On nous dit nous on voulait end. OK. End. OK. Bit. Qu'on a, nous dit ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça. C'est bit par bit, mais fait comparaison. Nous connaissons tout ça, on va le 0. On va l'occuper. Ça va le 0, on va l'occuper le tout. C'est en regardant des côtés gain 1. Nous dit 0 et 1. Bah, et comme si nous dit faux et vrai égale à faux. Donc ça, c'est 0. Et puis nous dit. Vrai et vrai, bah, vrai. Donc, ça, c'est 1. Donc, ça, c'est pour et 1. Donc, qui s'amène 20, l'homme fait 4 et 6, qui s'amène 20 comme résultat, nous allons aller, résultat, c'est 4. Ok? Là, il vient 4. Mais si me fait 4 ou 6, on regarde ça, bah, qu'on y a, ou 6, qu'on y a, tout ça, t'es 0 ou 0, même dans ou 1, mais ça, 1, c'est vrai ou vrai égale vrai. Depuis, il y a une vraie ou vrai. Donc, faux ou vrai égale vrai. Ça a changé. Donc, ça vient égal à 6. Donc, c'est, ça, c'est bit. Nous, quand on a importance pour l'instant, mais on a pris importance après. Pour l'instant, on a besoin de démontrer pour nous connaître ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on a prêté pour aujourd'hui, dans la vidéo numéro 3. On a pris dans l'autre.